Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Oh, je ne vous ressens pas. On a tapé 300 km pour être là. On vient de Paris. Si vous voulez, nous avons suivi la com du FNDC, coordination de Bruxelles. Et nous avons pris une importance capitale pour que cet événement soit ce qu'il est aujourd'hui, un succès. Alors, applaudissez pour vous-même. Applaudissez! Vive l'unité, ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Donc, tout ce qui nous reste, c'est l'unité. Ce qui nous reste, c'est l'unité. Nous avons dit ensemble en 58, non, non, non et non. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire en 2020 non? Oui. Est-ce qu'on ne pourra pas le dire? Oui. Est-ce qu'on ne pourra pas le dire? Oui. Donc, je vais vous dire quelque chose, Alpha Condé. Vous le savez, il n'a pas peur des leaders politiques que nous sommes. Hein. Ça, c'est la vérité. Il n'a pas peur des leaders politiques dont nous sommes. Mais la société civile, ce travail vous appartient. Ce travail vous appartient. C'est à vous de mettre un frein à cette dictature. Et au système aujourd'hui qui tripatue notre constitution en République de Guinée. Donc on vous appelle une fois de plus à la mobilisation. À la mobilisation, prenez en charge votre responsabilité. C'est à vous de nous trouver la solution, le chemin à suivre. Sinon, si on laisse le combat entre les politiques, nous n'aurons pas de soutien ni de la communauté internationale et même de la communauté nationale. Vous savez que Alpha a reçu par nous diviser. Aujourd'hui, il nous a balancé les bananes. Ce sont des pots de bananes. Hein. Aujourd'hui, on nous parle de constitution, nouvelle constitution. Mais qui sait ce qui est derrière? Il ne parle pas. Il avait parlé du mois de Ramadan. Et jusqu'aujourd'hui, il ne s'est pas encore prononcé. Mais nous avons reçu à lui faire savoir que le peuple est en face. Et que le peuple... Excusez-moi, les messages sont aussi importants. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci, je ferai en sorte d'être très bon, s'il vous plaît, monsieur. Donc, je voulais dire ici que ce travail nous appartient au niveau de la société civile. C'est à nous de se lever, parce que aucun ami, ni étranger soit-il, ne viendra réparer le problème qu'il est. C'est en Guinée qu'il faut régler le problème. Je vous remercie. Oui. Et vive la communauté internationale. Okay. Et vive la Guinée. Vive l'unité des fils de Guinée. Je vous remercie. Merci messieurs, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour tous les intervenants politiques. Maintenant nous allons prendre la pause artistique. Il y a un artiste qui fait très fort.